Julien Aubert. Oui, un petit peu dans la même ligne, toute activité humaine est une atteinte significative ou pas d'ailleurs à l'environnement. Chaque fois qu'on construit quelque chose, on porte atteinte à la biodiversité. Je préfère moi la formulation du Sénat parce que j'ai peur que ça ouvre la voie à toutes sortes de contentieux, mais aussi de dérives. L'atteinte à la biodiversité, moi j'ai connu des projets qui étaient interrompus parce qu'il y avait deux scarabées. Voilà. Donc après, c'est une différence, si vous voulez, de perception, mais je pense aussi qu'on ne peut pas non plus bloquer toute activité humaine au prétexte que ça porte une atteinte à la biodiversité. Tout est atteint. Une atteinte significative à l'environnement, on comprend ce que ça veut dire, c'est qu'il faut éviter que l'activité humaine, effectivement, se traduise par une détérioration de la qualité environnementale. Donc, il faut fixer une notion de seuil. Mais après, c'est un vrai sujet de fond. Voilà. Et d'ailleurs, la question que je me pose aussi, c'est pourquoi vous n'avez pas, par exemple, proposé une atteinte significative à la biodiversité, qui aurait permis d'avoir... Propose-nous.